What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et pour la première fois sur la chaîne sur du custom zombie sur Black Ops 3 et sur PC bien évidemment. Je joue avec une manette d'Xbox One, voilà, vraiment le clavier souris c'est vraiment pas pour moi. Et du coup c'est parti. Alors pourquoi je vous propose cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait j'ai déjà essayé plusieurs fois du custom zombie sans forcément faire des vidéos. Voilà, juste parce que je voulais essayer pour m'amuser. Mais là franchement c'est une map, je voulais vous la partager parce que je suis un grand fan de Walking Dead. Et la personne qui a créé cette map a essayé de refaire Alexandria, donc la ville qu'on connaît depuis plusieurs saisons maintenant, depuis il me semble 2 ou 3 saisons. Et elle a refait du coup la map Alexandria. Donc vous voyez ici il y a le portail, on reconnaît légèrement par rapport à la série, voilà. Ce grand portail, donc il y a une grille normalement et derrière il y a une toile si je me souviens bien qu'on y glisse. Bon, j'ai déjà fait la map hier, je l'ai essayé une première fois pour voir. C'est vrai qu'il y a quelques éléments de ressemblance, mais vous allez voir également, j'ai eu un petit lag. Vous allez voir également que, alors moi il y a des trucs que j'aurais pas fait de la même manière que lui. Mais il faut savoir qu'on n'a jamais eu un plan vu du ciel ou une map de Alexandria. On sait vraiment pas à quoi ça ressemble. Et du coup c'est vrai que la personne a dû laisser parler son imagination plutôt que de reprendre un plan existant. Donc là on est dans la first room. Alors pour, ouais, pour l'occasion les gars j'ai mis la petite casquette Walking Dead, c'est la casquette officielle. Du coup ici je crois qu'il faut attendre le courant si je me rappelle bien. Les Gobble Gum on s'en fout, on les prend pas. Là on a Quick Revive, cette porte là on peut pas l'ouvrir. Et ici il nous faut 2000 points, donc allez on va perdre des points. Et voilà, donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que le custom zombie? Le custom zombie pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un fan du mode zombie, donc comme moi, comme vous peut-être, qui a tout simplement utilisé le mode tool. C'est un mode outil qui vous permet tout simplement de créer des maps. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps hein, parce qu'il faut vraiment il faut tout designer, tout créer de soi-même. Et puis il faut tout dessiner, paramétrer sur des logiciels. C'est vraiment un travail de titan. Franchement un gros GG à la personne qui a fait ça. Et du coup voilà, ça nous permet à nous de pouvoir jouer à des maps qui n'existent pas, de découvrir des maps que Triarch n'a pas pu créer. Parce que voilà, Triarch, il y a la map de base, enfin il y en avait deux cette année avec The Giant. Et il y a eu combien de DLC? Il y en a eu 5, donc voilà, en tout 4, pardon 4, donc ça fait 6 maps en tout. Voilà, là ça vous permet d'avoir des maps supplémentaires. Donc il y a des maps qui sont vraiment magnifiques, après il y a des maps qui sont plus limitées. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup. Généralement c'est vrai que c'est rare que je fasse des vidéos quand je joue en custom zombie, mais là j'ai vraiment envie de vous la faire. Et justement, s'il y a des gens qui jouent au custom zombie qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas de temps en temps à me tweeter, à me dire s'il y a une map plutôt intéressante à faire ou pas, parce que c'est vrai que je suis pas non plus à l'affût de ce qui se passe sur le custom zombie forcément. Et donc si vous avez une map assez intéressante à me conseiller, n'hésitez pas à me tweeter, voilà. Même chose, pourquoi pas faire des découvertes de custom map zombie ensemble, ça pourrait être assez fun. Alors là on va essayer de pas mourir. Je vais attendre parce que je sais qu'il y a une arme à l'intérieur qui est vraiment mieux que celle qui se propose juste ici. Allez meurs. Oh là là. Voilà. On va le tuer. Il n'y a pas de rampant. Ok, on va le tuer. Et là, c'est le petit dernier. Voilà. Vous voyez, franchement, la map, elle est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on rentre ici. Là, il y a un espèce de tank ici aussi. Donc là, franchement, on dirait que la ville, elle a été défoncée, quoi. C'est un truc de fou avec une grosse attaque. Et du coup, on va continuer à avancer. Je vais juste aller chercher ma petite arme qui est à l'étage ici. Voilà, je m'en souviens. Alors, il faut également savoir que les maps custom zombies, c'est pas des maps qui sont faites pour faire des manches. C'est des maps, généralement vous pouvez même payer, donc cette map-là, vous pouvez payer 50 000 points pour mettre fin à la partie. Généralement c'est ça le but, hein, c'est de faire 50 000 points et de mettre fin à la partie. Et également des petits secrets. Donc là il y a un secret avec 3 nounours, donc tiens j'en ai trouvé 2. Et je pense que je vais essayer de trouver le troisième parce qu'en fait ça vous permet tout simplement d'ouvrir le pack à punch. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller ouvrir le pack à punch. Si je meurs pas, c'est mieux. Il y a un zombie derrière moi. Voilà. Donc là on arrive ici, alors je vais essayer d'ouvrir la porte qui est après. Vous allez voir. Tac, on va ouvrir ici. 1000 points on les a. Tac, et du coup là, on rentre ici. Alors ici moi il y a ce petit kiosque où il y a le mastodonte d'ailleurs, qui m'a fait penser un petit peu à Walking Dead, à la map Alexandria. Parce que je me souviens qu'il y a un petit kiosque comme ça, on le voit dans un épisode. Et après franchement, c'est vrai que c'est assez compliqué d'imaginer Alexandria ici. Il y a le mastodonte, mais bon, faut le courant. On va rester ici, je crois pas que les zombies puissent arriver derrière moi. Oh, il y en a encore plein au fond là-bas, je les vois arriver. Ouais, franchement, graphiquement, c'est beau, enfin, on peut pas dire que ce soit moche. Hop, nickel ça. Voilà, impeccable, bien rampant du coup. Alors ici, si je me souviens bien. Ah oui, j'ai quelque chose à vous montrer, regardez ici.
Lucille, les gars, Lucille, donc la batte de Negan, ils l'ont mis ici. Donc c'est dommage, par contre, apparemment, on peut pas l'utiliser. Ou du moins, j'ai pas trouvé comment faire. Mais voilà, elle est là, c'est Lucille. Il a même pensé à faire Lucille. Et franchement, c'est chambé. Il manquait plus qu'à laisser l'œil de Glenn à côté. Mais bon, c'est pas grave. Allez, et ici, donc, si je vous souviens bien, il y a rien. Ici, il y a juste une arme. On va pas l'acheter, ça sert à rien. On va aller faire des boîtes, la boîte qui est là-bas. Et du coup, ici, il y a encore un tank, vous voyez. Et ici, alors ici je pense que c'est justement pour aller au pack-a-punch. J'ai pas réussi à ouvrir cette porte hier. Parce qu'en fait quand on met le courant elle s'ouvre pas. Je pense qu'il faut activer les 3 nounours pour vraiment activer le pack-a-punch. Du coup on va essayer de faire ça ensemble les gars, c'est une petite découverte. Et je dis pas que je vais faire beaucoup de manches, je pense pas que je vais faire les 50 000 points. Là je vais vous montrer. C'est ici qu'on peut payer pour les, vous voyez, les 50 000 points. Voilà, 50 000 points et vous mettez fin à la partie. Voilà, donc là c'est une autre entrée d'Alexandria. À la limite ce côté là ressemblerait peut-être plus à ce qu'on a déjà vu dans la série. Bien que encore, je sais pas. Et du coup, on va aller ouvrir directement ici. Si, voilà. Donc ici, il y a une porte. Hop, c'est parti. Et on va aller se faire une boîte. Ah oui, il y a le courant qui est là. Voilà, on va mettre le courant. Tac. Et on va aller se faire une petite boîte pour avoir une petite arme assez sympathique. Ah bah, ça me va bien ça. Impeccable. Et voilà, du coup... Hop, alors si je me trompe pas, j'ai encore des portes à ouvrir. Il y a celle-là, 750, on va l'ouvrir, je sais plus ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus du tout. S'il y a un atout. Ah, il y a un atout. Énergie, et il y a également une arme, donc la M1927. C'est la Thompson en gros. Et en haut, il n'y a rien. Hop. Et je crois qu'il y a encore une porte qui est ici à l'intérieur, plus loin. Ok, donc là, c'est un espèce de petit laboratoire, une petite infirmerie qui est ici. Franchement, stylé. Ah oui, il y a encore une porte là, voilà. Ça là, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas assez de thunes. Hop. Et ouais, franchement, c'est stylé. Mais moi, franchement, quand je joue sur cette map, j'ai vraiment cette petite impression de Walking Dead, vous voyez. Cette petite sensation, ça me fait kiffer. Alors franchement, j'aurais bien aimé que le mec aille plus loin. Après, je sais que c'est encore... Il est encore en train de faire des mises à jour, hein. Mais qu'il y ait des armes, franchement. T'imagines, t'as le katana de Michonne ou la... J'ai perdu le mot, là. L'arme de Daryl là, j'ai perdu le mot. T'imagines, franchement j'aurais kiffé qu'il y ait ces armes là. Et du coup voilà, donc ici on a rouvert une salle. Alors ici pareil, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour le pack-a-punch. Du coup je sais qu'il y a ce nounours là. Voilà, donc ça fait partie du secret de la map. En fait faut tirer dans les nounours, il y a un petit secret dedans. Hop, on va continuer par là. Je crois qu'il y a un nounours ici que j'ai trouvé aussi. Il est en dessous d'un truc là. Ah il est là, voilà, il y a un ours ici. Et du coup les gars, pour le moment je vais garder le dernier zombie. Et ou non, je vais le tuer, je vais finir d'ouvrir les dernières portes. On va tuer le zombie, on va finir d'ouvrir les dernières portes. Et après on va partir à la recherche du dernier nounours. Parce qu'hier j'ai pas du tout réussi à trouver ce fucking nounours. Du coup on va essayer de le trouver pendant cette partie là. En tout cas voilà, dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Si oui ou non ça vous fait penser un petit peu à Alexandria. Franchement il y a des airs, hein. Il y a des airs, on va pas se mentir. Après je pense que on l'aurait pas fait de la même manière. Enfin pour ma part moi je l'aurais pas fait du tout cette manière là. Mais du coup voilà, après c'est chacun voit un petit peu Alexandria, comment il a envie de le voir, comment il l'imagine avec la série. Et ici on peut voir c'est un avion. Il y a un avion, donc ça par contre ça me dit trop rien dans la série. Je me souviens plus trop. On va garder le x2 et le crâne pour faire des points. Ah, il passe par-dessus le mur carrément. Hop là. Et franchement, pour moi, ça c'est des maps, mais c'est digne d'un développeur. Enfin, presque. Après, ils ont peut-être pas forcément les mêmes outils non plus. Mais on est. Enfin, c'est des belles maps, c'est joli. Y a pas à chier, c'est vraiment joli. Bon, du coup, les gars, on va ouvrir les dernières pièces. La dernière zone, donc je crois qu'il y a cette zone là que je dois ouvrir. Alors, cette zone là, je l'ai pas trop fouillée hier. Là-dedans, il n'y a rien, c'est un spot. Là, on est repassé de l'autre côté de la clôture, en fait. Oh, bah, oh, il est là. Eh, les mecs. Ok, on a trouvé le nounours. Alors, je sais pas si ça a fait quelque chose. Je sais pas du tout. Ah, il y a une pièce ici aussi. Ah, tenez, il y a encore un atout ici. Donc, Daikiri, on va pas... On va acheter les atouts. Alors, on va acheter quelques atouts. On a un peu de thunes. Hop. Ici, il n'y a rien. Ok. Et du coup là on a ouvert toute la map. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien basé. Et du coup ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va là-haut il n'y a rien. On va aller voir si c'est ouvert ou pas quelque chose.
Oh, la porte ouverte, la porte ouverte. C'est bon ça. Alors. Oh, y'a. What? Y'a un bouclier, les gars. Eh, hey, je savais même pas, y'a un bouclier. C'est bon ça. What? Ah oui, je l'ai défoncé. Ok. Et là, est-ce qu'on peut prendre ça? Waiting for Link. Ah, c'est peut-être. Faut peut-être aller appuyer sur le bouton dans la force room, les mecs. On a peut-être trouvé quelque chose sur la map. Bon, allez, du coup, là, normalement, ça. Ah, voilà. Là, on est plutôt bien basé, les mecs. Cécile et moi, j'aurais vraiment aimé que Triarch nous fasse une map Walking Dead. Franchement, j'aurais vraiment adoré. Ok, mais à 1000 points, vous savez quoi? Je l'aimais, on s'en fout, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis content hier, j'ai pas réussi à faire ça. Ok. C'est quoi ça? Faut faire quoi? Aucune idée, il y a un crâne. Peut-être que c'est utile pour faire quelque chose, je sais pas du tout. Et du coup... Ok, là, il y a rien, c'est... Ah, il y a le pack à punch. Ok, il y a le pack à punch. Et ici, on a quoi? La PPSH, 5000 points. Oh, le pack à punch, 5000 points aussi. Bon, apparemment, il y a peut-être un délire avec des crânes, etc. Je vais peut-être chercher un petit peu. On va regarder ça. Pour le moment, ce que j'aimerais bien faire, c'est améliorer une arme pour voir comment est le camouflage. Le camo des armes. Et après, on va voir. Peut-être que je vais peut-être avoir la foi de faire les 50 000 points. Je sais pas du tout. J'attends de trouver le dernier zombie pour le moment. Oh, bon, voilà, j'ai fait le lien entre les deux. Du coup, je peux me téléporter 1000 points. Il m'aurait 6000. Bon, c'est bon, on va pouvoir améliorer cette petite arme. Et par contre, donc j'ai pas encore cherché le délire avec les crânes. Du coup, je me demande s'il faudrait pas améliorer une arme. Ça se trouve, faut améliorer une arme pour tirer sur le crâne. Peut-être faut tirer dessus. Je sais pas du tout. Ça se trouve, c'est rien du tout. Hein. À mon avis, il a pas mis un crâne enflammé pour rien. Ok, donc celle-là, déjà, elle a pas de camouflage. Cette arme n'a pas de camouflage, ok. Ok, bon, apparemment les crânes ne servent à rien. Je sais pas du tout. Ce que je vais faire, alors je sais que j'ai vu un autre crâne. Il y a un crâne, je sais où il est. Bah, je me demande s'il n'y en a pas un là-haut d'ailleurs. C'est un crâne ça, non? Et je crois que j'en avais vu un déjà là-bas. Oh! Ok! D'accord! Ok, bon bah nickel, on a trouvé la musique, les gars. C'est une map de... C'est bien une musique de Walking Dead, vous me direz. Franchement, dites-moi dans les commentaires de la vidéo, mais moi, elle me fait bien penser à une musique de Walking Dead. Il me semble bien. Franchement, là, c'est stylé. Là, je m'y crois vraiment, je vais pas vous mentir. Là, ça fait plaisir. Je suis vraiment fan de cette série. Il y a vraiment peu de séries dont je suis fan, mais celle-là, Walking Dead, c'est vraiment... Voilà, je sais qu'il y en a plein qui aiment Game of Thrones, mais pour moi, la meilleure série, ça restera Walking Dead. Voilà. Pour moi, c'est celle-là. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit... Ah, ça me fait kiffer là, je suis bien. Alors je sais pas si je vais tenter de faire les 50 000 points pour mettre fin à la partie, pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Je vais regarder un petit peu dire ça. En tout cas là j'ai des armes qui défroient et je peux rester un petit moment encore ici. Oh, puis je tape des trucs comme ça là. Ça fait plaisir. Il y a un truc que j'ai pas fait aussi, il faudrait que je fasse quelques boîtes, voir s'il n'y a pas une Wonder Weapon. Parce que les... Des fois ils mettent des armes spéciales en fait dans la boîte. On va aller faire quelques bottes pour voir ça. Mais pour le moment, on a x2, machine de mort. Voilà, on va passer les manches. En tout cas, la musique, franchement, elle est stylée, les gars. Je m'y crois vraiment, ça va parfaitement avec la map. Alors, c'est vrai que dans Walking Dead, bah, y a la musique du générique qu'on connaît bien. Y a, ouais, c'est vrai qu'il y a différentes musiques qui sont parues. Alors, je les ai plus en tête. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de musique dans Walking Dead finalement, mais celle du générique est pas mal, mais là elle va bien avec l'ambiance de la map. Celle-là elle est assez calme, assez triste, assez monotone. C'est vrai qu'elle passe bien.
Ah, la PPSH, ça fait plaisir. Elle est pas mal cette arme là, mais bon. Là j'y reviens, une Wonder Weapon, il me reste combien de points? Ah, ça c'est bon. Je refais une petite, on sait jamais des fois qu'on peut avoir quelque chose d'autre. Ok, donc ce que je vais faire les gars, c'est que je vais refaire quelques manches. J'ai vraiment envie d'améliorer la Wonder Wave, voir à quoi elle ressemble. Je sais pas si je vais essayer de faire les 50 000 points parce que ça va faire un petit peu long. Et il n'y a pas de réel intérêt, sachant que ça met tout simplement fin à la partie. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial à la fin de la manche. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer d'améliorer la Wonder Wave pour voir si elle a pas un petit camo particulier. Parce que c'est vrai que c'est bizarre que la première n'ait pas de camo. Enfin bref. Allez, c'est parti, je vais essayer de faire ça. Et puis si jamais j'ai le courage et que ça va assez vite, je ferai les 50 000 points et je vais voir un petit peu. Et voilà les potes, j'ai fait pas mal de points, donc je pense qu'on va bientôt se quitter là. Je vais juste améliorer la Wonder Waffe, voir à peu près à quoi elle ressemble, si vraiment elle est efficace ou pas une fois qu'elle est améliorée, et si jamais il y a un skin particulier surtout. Et du coup, hop, on ressort là, le pack à puncher est là. Franchement, cette map, je la kiffe, elle est vraiment pas mal. Alors du coup, ici, je pense qu'on est dans la prison, vous savez, hein, on passe une ou deux saisons dans une prison. Encore à l'époque d'Herschel, tout ça là dans la série. Et du coup, ok, il n'y a pas de camo particulier, je vais essayer de améliorer celle-là pour voir. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est vraiment stylé, quoi. Ah, elle a pas de camo, celle-là. Bon, attendez. On va faire ça. Ça. Ah, il y a un camo. Il y a un camo. J'ai racheté la PPSH, du coup, sur le mur. Oh là là. Ah, bah, c'est les... Alors, ces camos-là, je crois... Si je dis pas de... Il est vraiment magnifique, en tout cas. Et si je me dis pas de conneries, il ressemble beaucoup... à celui de la dernière map révélation, je crois. Enfin voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a fait une petite découverte sur une map. Voilà, la personne a voulu créer Alexandria sur Walking Dead. Pour ma part, c'est plutôt ressemblant et assez réussi, bien que j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait le sabre de Michonne et l'arbalète, quand même, l'arbalète, les gars, de Daryl. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment stylé. Le petit Colt aussi, le petit Colt 45 de Rick. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à me dire si vous en voulez d'autres. Je suis prêt à en faire d'autres, ça y a pas de problème. J'adore découvrir les maps custom. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.